La maison d'accueil hospitalière La Source assure tout au long de l'année un service d'accueil et d'hébergement pour les usagers du CHU de Rouen. Bienvenue à la maison des familles de Rouen. Son but, créer un environnement familial pour que les patients et leurs proches se sentent comme à la maison. Vous voyez avec notre partie cuisine, vous avez un frigo qui est à votre disposition pour entreposer vos repas du midi. Et le repas du soir se passe ici, tout le monde mange ensemble à 20h. Cette association, créée en 1978, compte une vingtaine de bénévoles. Elle est ouverte aux patients en ambulatoire et aux proches des patients hospitalisés. Plusieurs espaces de vie communs sont proposés, tels qu'une salle à manger avec cuisine équipée, un salon de détente ainsi que 16 chambres à un ou deux lits. Moi, ça fait deux fois que je viens. On commence à connaître les têtes, on en reconnaît certains, on fait connaissance avec d'autres et puis on est tous là pour la même chose. Donc l'entente est vite faite, quoi, voilà. Hein. Mais bon, on se couche à l'heure qu'on veut, on se lève à l'heure qu'on veut, on va manger à l'heure qu'on veut. On n'est pas forcé de prendre nos repas à 8h le soir avec tout le monde. Si vraiment on veut être tout seul, on va après ou avant, il n'y a pas de souci, quoi. C'est vraiment la liberté. Moi qui habite assez loin, c'est une tranquillité d'esprit qu'on a en venant ici. Le soir, les personnes accueillies aiment se retrouver pour partager le repas et discuter. Ça fait 5 ans que je viens à La Source. Et je suis vraiment très très contente et je n'ai pas le stress de me retrouver, on peut dire, à la rue parce qu'on n'a pas les moyens d'aller dans des hôtels. Et là, ben, c'est ce qui est bien, c'est souvent ce qu'on a, ils nous prennent, mais on a tout. On a une chambre, on a une douche, on a une machine à laver, un sèche-linge, ça aide, mine de rien. On n'a plus cette peur, comment on va laver notre linge, tout. On est tous ensemble pour manger, que ce soit le matin, au petit déjeuner. Le repas du midi, ben, on se le partage avec toute l'équipe de La Source. Alors là, je vous explique pas. Il y a quand même des rires qui se font. On est bien. On est heureux quand même de l'avoir. Un lieu d'hébergement où l'on s'y sent bien grâce à l'esprit bienveillant des bénévoles. Ici, on est là pour les soutenir, puisque s'ils viennent ici, c'est qu'ils ont quelqu'un qui est en souffrance à l'hôpital, bien souvent. Donc notre rôle, c'est aussi de les aider à surmonter ce moment qui peut être un peu difficile. Les séjours à La Source sont payants, un tarif variable en fonction des revenus du foyer. Nous avons des tarifs sociaux. Par exemple, les personnes qui ne payent pas d'impôts, parce que chacun vient en justifiant de sa situation avec son avis d'imposition. Et en fonction de cette imposition, nous appliquons un barème. Et à l'heure actuelle, je peux vous dire que les personnes qui ont des revenus très modestes payent 14 euros la nuit, y compris le dîner du soir. Alors, si nous pratiquons de tels tarifs, malgré que nous ayons beaucoup de bénévoles pour assurer nos services, c'est parce que nous sommes aidés financièrement par la Sécurité sociale. Donc, d'un côté, nous appliquons un barème qu'elle nous demande de pratiquer, et de l'autre, elle nous aide, parce que si nous n'appliquions pas ce barème, on ne pourrait pas effectivement survivre. Pour bénéficier d'une place, il est nécessaire de réserver au 02 35 07 85 00.